Bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de demander qui côté et à qui les attendez nous. C'est toujours avec un plaisir pour nous entrer à la caille pour nous capables de porter certaines informations pour vous. Chaîne Grand Événement TV La Caille qui a présenté aux informations qui a dominé la République. Dossier assassinat. Le bâtonnier Maître Montferrier Loval. Côté, un pile moun a positionné sous assassinat Maître Montferrier Loval. Mais ça qui est important, c'est la justice qui pour faire travailler. Pour le bail justice avec moun qui mérite justice. Opposition a parlé, pouvoir a parlé. Société civile a parlé. Sous assassinat, maître Montferrier Loval. Eh bien, l'opposition est positionnée clairement. Côté, il dit que c'est notre pouvoir, c'est Jovenel Moïse qui commet crime ça sous professeur et maître Montferrier Loval. Côté, nous allons suivre ensemble avec nous. Eh bien, citoyen qui fait partie de l'opposition qui toujours parle dans la presse, nous parlons de nous parlons souvent ensemble avec citoyen ça lui-même qui a réagi sous assassinat Maître Montferrier Loval avec plusieurs autres monde qui t'a perdu la vie et par Zak Banditis. Et bien côté là il fait qu'on est Jovenel Moïse président pays, c'est une dans chef des bandes qui gagne dans pays parce que c'est lui-même qui crée insécurité ça dans pays. Et pas oublier avant nous traverser ou même qui peut rejoindre nous, évitez de rejoindre nous sous TV La Caille, chaîne Grand Événement, pour capable rester connecté ensemble avec nous. Toute information cap dominé la République, n'a pour elle n'a gardé et n'a attendu sous chaîne Grand Événement TV La Caille. Et bien, nous allons suivre ensemble avec André Michel, qui c'est une non porte-parole, et bien, opposition qui va parler ensemble avec nous sous question assassinat, Maître Montferrier Loval à plusieurs autres actes. Assassinat qui fait dans le pays d'Haïti. Pour plus de détails, on va suivre Naptolé. Remercier toute presse là, journaliste qui l'a, la conférence de presse secteur démocratique là. Na bay conférence de presse ça, un moment crucial pour le peuple haïtien. Na bay li, son façon pour nous un message très clair. Bay moun ki comprenn yo ka fè moun peur nan peyi a, yo ka panike moun nan peyi a, yo ka intimide moun nan peyi a pou yo kapab mete en place projet yo genyen pou yo pran pouvoir pou tout an, pou yo kontinye vole, kontinye touye moun, kontinye augmente mize pèp la. Nou bay konferans sa jodi a pou di yo sa pap mache. Li pa passé avec peuple haïtien, li pa passé avec secteur démocratique et populaire. Na baye conférence de presse ça non moment côté Delma 18, Delma 16, Delma 24, Delma 4 6, Delma 2. Kafou Payan, belè population a couru. Population a quitté zone ni parce que gen deux chefs gang dans le pays a qui décidé faut continuer massacrer population. Même chef gang ça qui te massacré population la Saline, qui fait massacre Cité Soleil, qui fait massacre Belè, massacre Pont Rouge, massacre Cafoufeuille, c'est même chef gang ça qui hier lundi 31 août 2021 rentré Delma, Badelma, rentré sous Belè, rentré ou Yel Maya, massacre population. Yo boule kay moun yo. Nous dénoncer zak sa yo. Yo touye moun yo. Yen ti moun ki pren bal. Yen fanm ansèt ki pren bal. Yo boule kamyonèt moun, yo boule machin yo. Yen gran moun 80 ans ki pren bal. Gran moun 85 ans ki pren bal. Bagay sa inacceptable. Non, mille rameaux, vous êtes une honte. Honte à vous. Vous n'avez pas de leadership. Pendant le directeur général de la police, vous quittez assassin à massacrer la population. Dans la journée, voler, assassin criminel, à rentrer Kaimoun, massacrer la population Belè, Delma 18, Delma 24, Delma 4, Delma 6, Delma 2, ou Elma Yak à vous payer. Vous n'y a couru. Ce n'est pas sérieux. Vous n'avez pas de leadership comme chef de la police. Et à un certain moment de la durée,
il y a conviction que l'histoire a jugé. Et même la justice capable de juger parce que vous êtes en train de faillir à votre tâche de garantir la sécurité des vies et des biens dans ce pays. Même si c'est Jovenel Moïse qui est le chef gang, mais c'est Jovenel Moïse qui a fait tout ça qui a fait dans le quartier populaire avec Genève qui a massacré nous. Mais vous-même comme chef de la police, vous faites une grande responsabilité. Vous n'avez pas le droit de quitter sa tête. Et vous serez jugé et vous avez pile chance pour comparaître devant la justice. Parce que il y a ce qu'on appelle la notion de négligence criminelle en droit pénal. Vous êtes chef de la police. Il y a massacré la population. La police n'a pas intervenu. Vous avez votre responsabilité pénale. Attention, ce n'est pas une plaisanterie. Vous risquez la poursuite pénale. Vous risquez la prison. Parce que comme chef de la police, vous n'êtes pas là pour croiser bras, pour quitter barbecue, Genève, Jovenel Moïse, à massacrer la population dans la cathédrale. Ce n'est pas sérieux. Monsieur Normil Rameau, vous n'êtes pas sérieux. Et nous avons des informations. Il y a des policiers dans la zone yo, qui n'ont pas quitté barbecue, fait salver dans la zone, yo, qui ont résisté. Pour protéger la population, hein. Pour mettre ensemble avec barbecue, pour sanctionner, yo. Pour faire inspection générale, convoquer, yo. Pour faire DCPJ, mais enquête sur yo. Ce n'est pas sérieux. Je dénonce votre comportement criminel. Le secteur démocratique dénonce votre négligence criminelle. Vous êtes en train, avec Jovenel Moïse, d'établir en Haïti un ordre public assassin, un ordre public criminel. Non seulement vous serez jugé par l'histoire, mais vous serez également jugé par la justice répressive en Haïti ou à l'étranger. Il y a les crayons maquels qui ne peuvent pas passer comme ça. C'était notre premier message. Deuxième message, nous voulons dénoncer avec la plus grande rigueur, la plus grande conviction, manœuvre, corruption que le ministre des Affaires étrangères, gouvernement, a fait sur Monseigneur Dumas. Le gouvernement, à travers le ministre des Affaires étrangères, a laissé mettre l'Église catholique en corruption. Nous dit Monseigneur Dumas, eh bien, nous sommes mon ambassadeur Vatican ou l'Église catholique, mais il faut l'Église catholique pour les gens dans le conseil électoral. Conseil électoral pour faire élection des malheurs. Vous pensez que ce n'est pas sérieux? L'Église a toujours été un rempart moral pour le gouvernement arriver dans une situation pour la faire pression à travers le ministre des Affaires étrangères, sous un Monseigneur, sous l'Église catholique, pour le dire, si vous avez besoin d'ambassadeur Vatican, pour envoyer le monde dans le conseil électoral, c'est un gouvernement de voyou, c'est un gouvernement de délinquant, c'est un gouvernement immoral et un gouvernement comme ça qui n'a pas d'avenir dans le pays. Vous devez dénoncer. Et Nabdil, je dis, après tout ça qui est passé dans le pays, massacre situationnel, massacre belle, massacre qui a fait dans tout le quartier populaire, monde qui a mouru, monde qui a assassiné, monde qui est en prison, nous avons exécuté la manifestation. Le secteur démocratique et populaire garde sa ligne de combat. Nous gardons et nous conservons notre position initiale, à savoir, ne pas poser élection avec le peuple. Et OEA, communauté internationale, à l'écrire nous maquille, le peuple haïtien a tranché déjà cette affaire, nous pas dans question élection avec Jovenel Moïse. D'ailleurs, tout secteur important dans le pays a eu entendu que pendant l'élection avec Jovenel Moïse, il n'y a pas pour les gens dans le conseil électoral. Évidemment, son pays est en plus difficulté. Capable de voir un petit vicieux, parce que c'est vrai, on a un petit peu. Ça peut se comprendre. Mais, pas de monde qui va rentrer dans la logique de l'élection avec Jovenel Moïse. Deuxième bagaille, l'équipe PHTK, ce sont des assassins. Ce sont des criminels. Nous pas dans la cohabitation. Nous ne pas nous gouverner avec Monsaïo. La solution, c'est la poursuite de la mobilisation. La solution, c'est la transition équilibrée avec la participation de tous les secteurs de la vie nationale sans exclusion aucune.
La solution, c'est le procès pétro-caribé. La solution, c'est le procès des différents massacres. La solution, c'est la nouvelle constitution. La solution, c'est la conférence nationale haïtienne souveraine pour casser le système d'exclusion mis en place dans ce pays depuis l'assassinat du père fondateur de la patrie le 17 octobre 1806 et pour instaurer dans ce pays un système basé sur l'exclusion de la majorité, l'exclusion des femmes, l'exclusion des jeunes, l'exclusion des paysans, l'exclusion de la diaspora, l'exclusion des plus populaires. Et pour construire un nouveau système de gouvernance basé sur l'inclusion. Cette fois-ci, pour tout le monde la donne, pour construire un seul pays pour tout le monde. Et c'est ça notre ligne, et ça le message. Professeur Montpellier-Dorval, secteur démocratique là, bon, relation particulière avec lui, que je ne connais pas. Ce matin, je connais professeur Dorval, le professeur Marjorie, le professeur Lionel Cassi, le professeur Millien. Ça veut dire, dans le secteur démocratique là, il y a au moins, les m'ap gade matin, il y a au moins 6 à 7 moun. Alors, dans le dirigeant, oui, qui était étudiant, mais Dorval. Nous avons une relation particulière avec moi-même. Avocat Barreau Port-au-Prince, c'était notre bâtonnier. Alors, nous saluons sa mémoire. C'est la mémoire d'un professeur, la mémoire d'un intellectuel, d'un homme de conviction, d'un homme qui avait le sens de l'équilibre. Et on ne peut pas accepter ce qui s'est passé. Maître Dorval a été exécuté à quelques mètres de la résidence personnel et officiel de M. Jovenel Moïse. C'est comme si nous t'adou, c'est des cailles Jovenel Moïse à Otiomède d'Orval. Ce n'est pas sérieux. Et Pèlerin 5, qui n'a pas 50 sorties. Pèlerin 5, son zone hautement sécurisée. Pèlerin 5, toujours gain sécurité tout partout, policiers patrouille. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a une vérité. La responsabilité politique, la responsabilité morale de ce crime, c'est la responsabilité du gouvernement. Et je dis à le président a essayé de faire une récupération politicienne de l'assassinat de Maître Montpellier Dorval. Une récupération politicienne, je salue Madame Maître Dorval, je ne parle pas de Madame, c'est un menteur, ce monsieur qui s'appelle Jovenel Moïse. Il salue les enfants de Maître Dorval, côté de Dorval, de les enfants, ça arrive. Bref, c'est un indécent, c'est un menteur. Mais il faut le comprendre tout. Même dans un moment difficile, ça, pas de monde qui prend au sérieux. Mais c'était là son question de 3 jours de deuil. C'est qu'il a commencé, qu'il a fini. Personne n'a pas occupé Jovenel avec 3 jours de deuil. Bon, même dans l'État d'administration, il n'y a pas occupé, monsieur. Il n'y a pas occupé en Ben. Par la nationale, il n'y a pas occupé. De toute façon, M. Dorval, il a droit à des hommages. Et tout ça, Barreau a fait, la Fédération des Barreaux a fait pour un hommage à M. Dorval, manifestation contre l'insécurité, contre la défaillance de l'État et de la justice, moi penser pour que les citoyens ont participé. Ça veut dire, M. Dorval, ce n'est pas l'affaire du Barreau de Port-au-Prince. M. Dorval, ce n'est pas l'affaire de la Fédération des Barreaux. C'était un professeur d'université qui avait des idées claires sur un ensemble de questions d'intérêt national. M. Dorval, ce n'est pas l'affaire du Barreau. M. Dorval, c'est une victime de l'insécurité, c'est une victime de ce pouvoir criminel, c'est une victime de la défaillance de l'État, et désormais, c'est tout le pays qui est concerné. Les funérailles Maître Dorval, les a fait hommage dans la période ça, les a fait marche dans la période ça, c'est tous les citoyens, et c'est toutes les citoyennes qui doivent participer. Alors, c'est ça, notre message pour ce matin.